que demain, nous avons un match, un grand match, à notre niveau, qui va opposer l'équipe de Simba à celle de Blessing. Le sport ne se teinte jamais des politiques, mais je constate que les deux équipes sont supportées par des personnalités politiques. C'est pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux deux camps, le camp de Simba comme le camp de Blessing, de faire preuve de fair play sur le terrain. Il s'agit du football, il ne s'agit ni de la boxe, encore moins du catch. Mais c'est du football qui a des règles. J'insiste sur le fair play des deux côtés et même des arbitres qui vont officier ce match. Tout le monde sait que lorsqu'il y a un match de football, il y a trois résultats qui peuvent surgir de manière attendue ou inattendue. Soit on gagne le match, soit on le perd, soit on fait match nul. C'est-à-dire ni gagnant, ni perdant. Et je m'adresse particulièrement aux supporters des deux équipes. D'éviter de créer des petits problèmes de rien du tout dans la ville de Colusie qui est jusque-là calme, et très calme. Nous ne voulons pas voir des gens commencer à chanter. Non, pas question de ça. C'est le sport. Demain, nous ne savons pas quel joueur de Simba sera chez Blessing. Quel joueur de Blessing sera chez Simba? Et c'est ça que le plus souvent les joueurs oublient. Donc j'invite tous mes fils, qu'il s'agisse des joueurs, qu'il s'agisse des supporters et aussi des officiels des matchs, vraiment de faire preuve de fair play pour le match qui va opposer demain l'équipe de Simba à celle de Blessing Club. Voilà ce que je voulais placer comme mot par rapport à ce match.